la méditation de Joyce Meyer, votre vitamine quotidienne. Cher ami, le verset biblique du jour se trouve dans 1 Corinthiens 6, verset 19. Ou bien encore, ignorez-vous que votre corps est le temple même du Saint-Esprit qui vous a été donné par Dieu et qui maintenant demeure en vous ? Vous ne vous appartenez donc pas à vous-même. Jusqu'à l'âge de 64 ans, je n'avais jamais réellement fait d'exercice. J'avais pratiqué la marche et quelques autres choses pour conserver une condition physique décente, mais je ne m'étais jamais vraiment décidée à faire du sport. Durant toutes ces années, j'avais pioché dans mon sac à excuses de nombreuses fois et j'avais trouvé toutes sortes de raisons pour ne pas faire d'activité physique. Un jour, le Seigneur m'a parlé et m'a encouragée à me lancer dans un sérieux programme de remise en forme afin que je puisse être en pleine forme dans le dernier tiers de mon voyage sur Terre. J'avais déjà de bonnes habitudes alimentaires, mais lorsque j'ai obéi au Seigneur et que j'ai commencé à aller à la salle de sport plusieurs fois par semaine, je suis entrée dans une nouvelle étape de ma vie. Mon apparence s'est améliorée, je me suis sentie mieux et le plus important, j'ai honoré Dieu en prenant soin du corps qu'il m'avait donné. Je vous encourage fortement à faire confiance à Dieu et à trouver des moyens afin de rester en forme au quotidien. La parole dit que nos corps sont le temple du Saint-Esprit. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en ce qui me concerne, je veux être sûre que Dieu aime son temple. Aujourd'hui, prenez la décision de garder votre temple en excellent état pour Dieu. Prions ensemble. Seigneur, je veux commencer un style de vie sain en ce qui concerne ma santé physique et spirituelle. Aide-moi à faire les bons choix, ceux qui vont contribuer à améliorer et à protéger ma santé. Mon corps est ton temple et je veux le garder en excellent état pour toi. Merci d'avoir écouté. Si vous souhaitez recevoir plus d'encouragement de la part de Joyce, abonnez-vous gratuitement à la newsletter mensuelle sur joycemeyer.fr/newsletter. Soyez bénis et à bientôt.